L'achat chez Bielach en Motsi, Yochal Miyad de Lo Yafsik Afilou Beshtika, ou Yavan ou Yafsik Menyan Abracha, et No Proser Levalach, Abad et Khatrila, En Yafsik Afilou Menyan Abracha. Donc on a fait une bracha, que ce soit pour manger directement, le plus rapidement possible, et même ne pas s'interrompre, même Beshtika, même sans parler. Et si on a parlé du Inyan Abracha, par exemple, si j'ai fait un Motsi Lechem et Minares, et je dis amène-moi le sel, s'il te plaît, alors à ce moment-là, ça ne fait pas une, ça fait pas un effet, et donc je ne vais pas refaire la bracha, mais il faut. Normalement, il faut manger le plus rapidement possible. On a entendu que si on parle pendant qu'on, avant d'avaler, il faut refaire la bracha. Non. Mais Icaradin, il faut avaler après parler. Et si on a parlé quand même après qu'on ait mis dans la bouche, c'est quand même valable. Maintenant, il y a un cas intéressant qui est rapporté ici. Comment on est attablé? Madin im deviora mesubim kodem ateima. Si par exemple, il y en a un qui fait la bracha pour tout le monde, et avant de goûter, on parle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit refaire la bracha? Alors ça va dépendre. Im yirachayach adam yisubim birkata motzi vekiven leotzi et hashomim vehem kivu latzed vekodem shetam levarer yifsiku vekibur tzichim lachzor ulvarer aval im diveru leachar shetam levarer lo yarzeru levarer. Donc ici, il y en a un qui pense à acquitter tout le monde. Et avant que le mevarer ait goûté, ils ont parlé, alors il faut qu'ils refassent la bracha. Et si, après que le mevarer ait goûté, on parle, alors à ce moment-là, il ne faudra pas refaire la bracha. Et maintenant, si le mevarer, si par exemple, je fais la bracha pour vous, et je m'interromps moi-même et je parle. Alors est-ce qu'il faut refaire la bracha? Il m'a dit, voilà, ce mot, il s'y fait pour que t'aimes, c'est un, il y a tout à mes soumis, il y a des robes, si je parle et que vous n'avez pas parlé, alors à ce moment-là, on ne devrait pas refaire la bracha.